Good morning, Ali. Dans les tutos aujourd'hui, le Nishmat Avraham Yonah ben Chana Pegibat Esther Nissim ben Ahuda, ainsi que l'Irfuat Efrat Mayan bat Lea et Tehila Tzipora bat Talia betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avoda Zara, Perek Gimel Mishnah Hei. Agoim Aovdim et Hearim veet Agevaot, Hen Mutarin, O Mashe Alehem Asurim. Sheneemar, Lo tachmod kesef vezahav alehem velakachta. Rabbi aussi Aglili Omer, Elohem al heharim, velo heharim Elohem. Elohem al hagevaot, velo hagevaot Elohem. Umipne ma asher asura, mipnei sheyesh ba tfisat yedei adam. Bechol sheyesh ba tfisat yedei adam, asur. Amar Rabbi Akiva, ani ovin veadun nefanecha. כל מקום שאתה מוצא הר גבוהה וגבעה נישאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. On continue avec, bien sûr, les lois de Avodah Zara. On va d'abord le faire à l'intérieur du pasouk qui se trouve dans Parashat Re'e, Perek Yud Bet. On va lire le pasouk Bet et pasouk Gimel. Il y a marqué comme ça, Hachem il nous ordonne, lorsque vous entrez en Eretz Israël, il nous donne quelques mitzvot, et tout d'abord, la grande mitzvah de détruire toute la Avodah Zara que faisaient les Emoriim, les Knaaniim qui étaient là-bas. Et le pasouk nous dit comme ça, « Abed te abedun et kol amekomot, vous détruirez tous les lieux, Asher avdusham agoim, où les goïm ont servi là-bas, leur dieu, Asher atem yorshim otam, donc du lieu que vous allez les hériter, donc les éradier pour ensuite hériter de leur terre, et Elohim, leur Dieu, Al-He'arim Haramim, qui sont posés sur les hautes montagnes, Ve'al-Gevaot, c'est une autre forme de montagne, Gevaot, Harim, Ve'tachat kol etz ra'anan, et sous tous les arbres touffus. Donc, le pasouk, littéralement, nous dit comme ça, vous allez rentrer dans Israël, sachez que là-bas, vous allez trouver, là-bas, des idoles de partout, sur toutes les montagnes élevées, sous tous les arbres touffus, et ben allez les détruire. Benitatstem et mitzbechotam, et vous détruirez leurs autels. Beshibartem et matzevotam, et les stèles, leurs stèles aussi vous les briserez, vous les casserez. Va asherehem tisrefun ba'esh. Alors le mot asherehem, il traduit ça, le rabbin Zadok Kan, les bosquets. Apparemment, ça dépend, d'accord, leurs bosquets de Avodah Zara, vous les brûlerez au feu, ou si les Elohim Tegadeun, et leurs idoles, leurs statues, vous les détruirez. Donc, Vibatem et Shemam, vous allez tout détruire leur nom complètement, Minamakom Ahou, du lieu où vous avez hérité la terre d'Israël. Soit concrètement, on a ici la mitzvah, une mitzvah de détruire la Avodah Zara. Donc, si je me retrouve avec une Avodah Zara dans les mains, j'ai une belle mitzvah, comme ce qu'on avait appris dans la Mishnah, déjà en quelques Mishnahs précédentes, où là-bas, on avait appris qu'il fallait yolichem le yam amelach, aller les exterminer, les détruire à yam amelach, les briser. On a, comme ça, sur toute une mitzvah. On reviendra peut-être sur le pasouk, je ne sais pas si on le ressentira ou pas. Et maintenant, on va expliquer un sujet un petit peu délicat. Agoim aovdim et hearim veet agevaot. Supposons maintenant qu'on va se retrouver dans un endroit où les goïm se mettaient à servir directement une grande montagne. C'est-à-dire, au lieu de servir une idole, ils ont rendu la montagne que c'est elle-même leur idole. Ils prétendent que c'est cette montagne qui a créé le monde, c'est elle qui dirige le monde, ils se mettent à la servir, à se prosterner à elle, à lui faire des sacrifices. Alors, la question de la Mishnah est de savoir, est-ce que cette montagne est devenue interdite? C'est-à-dire, puisque j'ai une mitzvah de détruire la Avodah Zara, si la montagne est elle-même devenue Avodah Zara, il faudrait que je prenne un bon tracteur bien balèze et je rase la montagne, peut-être oui ou non, qu'est-ce que vous dites? Alors la Mishnah nous enseigne comme ça. Eh ben non, sachez que Hen Mutarin, la montagne elle-même, elle reste permise. O Mashe Alehem Asurim. Par contre, ce qu'il y a sur la montagne, c'est-à-dire, imaginons maintenant qu'il y avait cette montagne, elle avait une belle forme, ils se sont mis à la recouvrir d'or, par exemple. Alors là, on va avoir une halakha spéciale. Sache que la montagne elle-même, elle n'est pas devenue interdite à cause de la Avodah Zara. Par contre, Mashe Alehem, le tzipouille, ce qu'elle a été ornée, recouverte,
même si ça a été collé sur la montagne, c'est devenu une partie intégrante de la montagne, mais puisque c'est quelque chose d'extérieur qu'on est venu, qu'on a collé dessus pour l'honneur de la Avodah Zarah, alors cette chose-là, elle est devenue Asura au moment où on s'est prosterné à elle, où le goy s'est prosterné à elle, il a rendu le tzipouille, la couverture, le revêtement, il a rendu Asura. Mais la montagne elle-même, l'état brut, elle-même, elle reste permise. Elle n'est pas devenue interdite à cause de la Avodah Zarah. Et en cela, un grand rideau, j'en vais plus mettre le dagage ensuite pour expliquer, mais en tout cas, chez Neymar, comme nous dit le verset, il y a un verset un peu délicat qu'on rapporte, que c'est difficile à comprendre le rapport. L'otachmod kesef vezahav alehem velakarta. Tu ne convoiteras pas l'or, l'argent et l'or qu'il y a sur la Avodah Zarah, velakarta, tu le prendras pour toi. On fait un petit peu d'ordre tout de suite, on explique très rapidement de quoi on parle. Comme ce qu'on a expliqué, il y a un goy, il y avait une montagne naturelle qui avait une forme très originale. Du coup, ils sont mis à la diviniser, je ne sais pas si ça se dit, mais on essaye. C'est pas grave. Donc, ils sont mis à en faire une divinité. Ils l'ont recouverte d'or dessus, ils ont collé de l'or et ils se sont mis à se prosterner à elle. La Mishnah vient et m'enseigne, sache que la montagne elle-même, tant qu'elle est à l'état brut, elle reste permise. Elle n'est pas devenue interdite à cause de la Avodah Zarah. Mais malgré tout, ce qu'on a ajouté dessus, qu'on a rapporté de l'extérieur, lui-même, il est devenu interdit à cause de la Avodah Zarah. C'est une halakha très particulière parce qu'on a, en général, dans toute la Torah, on considère le tafel kaikar, les choses superflues comme l'essentiel. Dans plein d'halakhot, on ne va pas rapporter des exemples, mais en tout cas, si on me colle quelque chose sur moi, ça devient une partie intégrante de moi. Donc, si moi, je ne prends pas un statut spécial, donc ce qui est normalement, ce qu'on a essayé de me coller dessus, ça ne pourra pas prendre ce statut. Et bien là, la Mishnah nous enseigne que oui, malgré tout. D'accord ? Chez Nehemar, et le pastouk nous enseigne que tu ne convoiteras pas l'or et l'argent qu'on a posé sur la Avodah Zarah. Concrètement, ça pense dans le Tosot Radashim, il rapporte au nom du Tosfot, qui explique qu'est-ce qu'on a voulu prouver exactement de ce verset. Ce verset, en fait, on déduit quelque chose de très spécial. On sera un petit peu loin de ce qu'on a envie de déduire, mais en tout cas, le principe, il y sera quand même. C'est qu'en fait, lorsqu'il y a une Avodah Zarah, si quelqu'un vient et va lui faire un cadeau, va vouloir décorer sa Avodah Zarah en lui mettant sa gourmette. La gourmette, on n'en a pas fait une donation pour la Avodah Zarah, on n'a pas apporté en tant qu'offrande à la Avodah Zarah, on n'a pas servi la gourmette, on ne l'a pas rendue divinité elle-même, on l'a juste mise pour décorer l'idole. Et malgré tout, le pasuk nous dit sache qu'elle devient interdite, puisqu'elle est entrée elle a été prise, utilisée pour valoriser la Avodah Zarah, elle devient interdite, bien qu'elle n'est pas elle-même devenue ni une tikrovette à Avodah Zarah, ni une offrande qu'on a fait, un sacrifice qu'on a fait à la Avodah Zarah, à l'idole, et ni même, on ne l'a pas servi elle-même, malgré tout elle est devenue interdite. De ce fait, on déduit de là que tout ce qu'on va mettre en revêtement sur la Avodah Zarah, même au point, même si là ça faisait une certaine difficulté, c'est que ça a été collé à du Mechoubar la Karka, quelque chose qui est fixé au sol, qui est justement, qui ne peut pas prendre normalement, qui ne va pas devenir interdit à cause de la Avodah Zarah, malgré tout, on déduit de ce pasouk, je dis, c'est très compliqué à comprendre comment c'est déduit, ça parle longuement pour essayer d'interpréter, et j'ai rien vu de très clair, donc voilà, je vous propose ce que j'ai lu quand même, d'accord ? Donc en fait, on déduit de ce pasouk qu'on interdit ce qu'on a dessus. On apporte une petite précision quand même importante, c'est que si on va modifier la structure du sol, c'est-à-dire, je vais me mettre à creuser une grotte pour la Avodah Zarah, je vais faire une grotte en l'honneur de la Avodah Zarah, ben la grotte, cette fois-ci, elle va devenir interdite. Parce que là, la différence du... Tout ce que la Mishnah elle vient exclure, c'est de nous dire tout ce qui est à l'état brut, Mishéchet Yemé Bereshit, depuis qu'Hachem a créé le monde, c'est resté tel quel, ça n'a pas bougé, les gens ils sont venus à se prosterner, ça ne devient pas interdit à la Avodah Zarah. D'ailleurs, Baruch Hachem entre nous, heureusement que c'est comme ça à la halakha, parce que vous imaginez, avec le nombre de gens qui se sont prosternés devant le soleil, si on n'avait pas le droit d'utiliser le soleil ensuite parce que c'est devenu de la Avodah Zarah, on aurait été très embêtés. Mais en fait, justement, puisque ce n'est pas dans leurs mains, c'est depuis Shechet Yemé Bereshit, que c'est comme ça, ça n'a pas été modifié par la main humaine, de ce fait, ça ne prend pas un digne de Avodah Zarah. On a appris pour le moment le premier limoud. Rabbi Yossi Aglili va venir et va nous enseigner maintenant la même chose, mais en apportant cette fois-ci un pasouk, et suite à ça, on va entrer dans la complication. Pour le moment, c'est assez simple ce qu'il nous dit. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili nous enseigne. Sache que le pasouk nous dit Elohim Alearim Velohearim Elohim. On va reprendre le pasouk parce que c'est toujours mieux de le faire. Comme ce qu'on a lu tout à l'heure, le pasouk nous dit Abed Abedun et Kolam et Komot Asher Avdu Sham Agoim
Minamakom, où je me retrouve une seconde. Abed Abedun, Nicolas, mais comment t'achèves au Doucham, à Goïm, à Cheratem Yorchim, Otam, et Elohehem, Aleharim, Aramim, Valagevot. Leurs dieux, qui sont sur les montagnes hautes, élevées, et sur les petits monts, donc deux sortes de montagnes. Et là, Rabbi Yossi Aglélé vient, il nous apprend, apprends à bien lire le passage qui est marqué Elohehem, Aleharim, Veloheharim, Elohehem. Leur Dieu disposé sur la montagne, mais pas que la montagne est elle-même leur divinité. Veloheharim, Elohehem. Idem avec Elohehem, à la Gevaot, Veloheharim, Elohehem. Leur Dieu posé sur ces petits monts, sur ces petites collines, et non la colline qui est elle-même leur Dieu. De ce fait, il est dû de là, Rabbi Yossi. Donc, la même halakha qu'on a évoquée précédemment, il rapporte la belle source du verset qui nous apprend que sache que ce qui est à l'état brut, une montagne, une colline qu'Hachem a créée depuis Shechetim et Bereshit, elle-même n'est pas interdite. Maintenant, malgré tout, Rabbi Yossi Aglélé, non, avant de faire Rabbi Yossi Aglélé, je vous rapporte juste que la fin du verset, vous le gardez entre parenthèses, dans un petit coin de votre tête, on va en parler dans quelques minutes quand on va arriver à la fin, justement. Donc, il y a marqué que Asheratem Yoshim et Elohim, Aleharim, Aramim, Valagevaot, leur divinité est posée sur les montagnes et sur les collines. Vetachat kol etzranan. Le pasuk a conclu en nous disant, mais aussi qu'il se trouve sous tous les arbres touffus. Et ça va être très important. Pour plus tard. Pour le moment, il faut savoir que dans le pasuk, juste après, il y a marqué qu'il y a marqué Benetastem et Misbechotam, Vishibartem et Maseotam, Vaasherehem tisrefun baesh. Et leurs arbres, vous les brûlerez au feu. Les arbres de Avodah Zara, il faut les brûler au feu. Et c'est en cela que Rabbi Yossi Aglélé a une question. Étant donné que le verset nous a dit que ce qui est naturel dans son état naturel ne peut pas devenir interdit à cause de l'Avodah Zara. Selon ça, Rabbi Yossi pose une question. Pourquoi dans ce cas-là, un arbre est-il devenu quelque chose d'interdit, puisque la Torah m'a imposé de brûler leurs arbres qu'ils ont servi. S'ils se sont mis à se prosterner ou à porter une offrande à un arbre, alors il faudra brûler cet arbre. La Torah m'a dit, va asherehem tisrefun ba'esh. Les bosquets, vous les brûlerez, leurs bosquets de Avodah Zara, vous les brûlerez au feu. Alors pourquoi la Torah me dit de les brûler? C'est dans leur état naturel. Alors là, Rabbi Yossi Aglélé va nous donner un distinguo très important. Il va nous dire, parce qu'il y a eu en cette Asherah, en cet arbre, la Tfissat Yede Adam, littéralement une main prise de l'homme, c'est-à-dire il y a eu une intervention humaine. L'arbre, il n'a pas poussé naturellement, c'est un homme qui a porté l'arbre et qui l'a planté dans le sol. De ce fait, et dans ce cas-là, Vechol Sheyeshba Tfissat Yede Adam, Asur, et toute chose qui a eu une intervention de la main humaine, alors elle peut devenir interdite. Soit Rabbi Yossi Aglélé nous apprend quelque chose de très important, en nous disant, sache que ce que la Torah a dit, que ce qui est naturellement planté au sol ne peut pas devenir interdit à cause de la Avodah Zara, c'est uniquement ce qui est à l'état naturel sans intervention humaine. Mais s'il y a eu intervention humaine, par exemple, l'homme est venu à planter un petit arbuste, c'est devenu maintenant un grand arbre. Et l'intervention humaine, ça prend plus le statut de ce qui est fixé au sol. Et c'est en cela que Chachamim discute sur ça. Chachamim, c'est plus explicite dans la Mishnah, mais c'est implicite, puisqu'on voit que Rabbi Yossi Aglélé avait besoin de venir apporter cette précision, donc Chachamim n'était pas d'accord. C'est comme ça que le Bartonora interprète ici. Alors maintenant, selon Chachamim, un tel arbre n'est pas devenu interdit. Pourtant, même d'après Chachamim, il y a des arbres qu'il faut brûler. Soit Rabbi Yossi Aglélé est venu lui-même poser une question, et lui, il l'a répondu à sa manière. Mais Tanakama n'est pas d'accord avec cette réponse. Selon Tanakama, s'il y avait un arbre planté et qu'un goy est venu se prosterner à lui, l'arbre reste permis. Pourquoi? Parce qu'il pense que tout ce qui est fixé au sol, tout ce qui est rattaché au sol, alors n'a pas de statut de Avodah Zara. Ne peut pas devenir interdit à cause de l'Avodah Zara. Comme ça, la Gemara explique. Et de ce fait, donc d'après Tanakama, c'est parfait. Quand, c'est à moitié parfait. Il y a une question dans ce cas-là qui reste. C'est que quand la Torah me dit dans ce cas-là, il faut aussi brûler leurs arbres touffus, de quoi on parle? Et la Gemara explique, rapportée par le Bartanora, on parle en fait que si le goy a planté l'arbre pour le rendre à Avodah Zara,
il a planté en tant qu'Avodah Zara, alors là, l'arbre, il sera interdit, il faudra le brûler. Mais si l'arbre était déjà planté, et ensuite le goy est venu et l'a servi, lui a porté une offrande, alors dans ce cas-là, il ne sera pas interdit par. Il ne deviendra pas interdit en tant qu'idole de Avodah Zara. D'accord ? Donc maintenant, on refait le point très rapidement de quoi on parle. On apporte une petite pression sur Khamim, après on passe à la suite de la fin de la Mishnah, que ça va être lié après. D'abord, donc, tout ce qui est naturellement au sol, depuis Shechet et Mebereshit, depuis la création du monde, ça ne peut pas devenir interdit. Si le goy se met à se prosterner à elle, ça ne devient pas une Avodah Zara qu'il faut détruire. Par contre, si le goy va se mettre à creuser le sol, par exemple, à transformer, à créer une grotte de Avodah Zara, alors cette grotte-là, il faudra la détruire. Elle est devenue interdite. Concernant un arbre, on a deux situations. Il y a l'arbre qu'on a planté en tant qu'Avodah Zara. On s'est dit, tiens, je vais me planter ici une Avodah Zara. On l'a porté pour planter l'Avodah Zara. Là, d'après tous les avis, il faut la détruire. C'est sur ça que d'après tous les avis, même d'après Khamim, le passouk nous a dit, « Va asherehem tisrefun ba'esh » Même leurs asherot, vous les brûlerez au feu. Même les bosquets de Avodah Zara, vous les brûlerez dans la mesure où ça a été planté en tant qu'Avodah Zara. Et une discussion entre Rabbi Yossi et Chachamim, on parle du cas où il y a une intervention humaine pour venir planter un arbre. Il a planté par exemple un petit arbuste. Il a planté pas en tant qu'Avodah Zara. Et puis finalement, le goy est venu et a décidé de le servir en tant qu'Avodah Zara. D'après Chachamim, le fait que ce soit rattaché au sol ne va pas le rendre Avodah Zara. Ne va pas l'interdire à cause de l'Avodah Zara. Le goy, on le tuera, parce qu'il aura fait l'Avodah Zara. Celui qui va se mettre à servir cette arme, il va effectivement être tué comme celui qui fait l'Avodah Zara, que ce soit un juif ou un goy, ça change rien. Mais par contre, l'arbre lui-même, il est permis à en tirer profit. On pourra en tirer profit. D'accord ? Maintenant, dans les psukim, il y a une petite difficulté. D'après Chachamim, ça va bien, et d'après Rabbi Yossi Aglili, il y a un problème. Le pasouk qu'on a rapporté, qui nous disait très joliment « Et Elohim, Aléarim, Ve'ala Gevaot » leurs dieux qui sont entreposés sur les montagnes, sur les collines, il nous disait aussi « Ve'tachat kol etzranan » et sous tout arbre touffu. En théorie, puisque tu interprètes le pasouk, on disait « Attention, le pasouk qui m'a dit les dieux sur les montagnes, mais pas la montagne, le dieu. » De ce fait, il fallait faire la même chose avec la fin du verset, qui va me dire « leurs dieux sous les arbres touffus ». Mais pas que l'arbre touffu est devenu leur divinité. Donc selon ce principe, s'ils vont se mettre à se prosterner devant un arbre touffu, l'arbre, le Etzranan, ne devrait pas devenir interdit. Comme ce qu'ils pensent Chachamim, effectivement. Et c'est de là d'ailleurs que Chachamim vont déduire leur halakha. Vous m'avez compris ? On a une question. Une question essentielle maintenant. Le pasouk, avec le jeu de mots qu'on a fait de dire Elohim Aleharim, Elohim Alagvaot, il fallait aussi dire Elohim Tachat Kol Etzranan. Leur dieu qui se trouve sous les arbres touffus. Mais l'arbre touffu ne peut pas devenir lui-même la divinité, autant que la montagne ne peut pas devenir elle-même la divinité. Elle ne va pas devenir interdite en tant qu'Avodah Zara. C'était comme ça qu'il fallait logiquement interpréter le verset. C'est ce que Chachamim font. Mais Rabbi Yossi Aglili ne fait pas ça. À cause du pasouk de Vaachereem Tegadeun, le pasouk d'après où il y a marqué qu'il faut détruire les arbres qui ont été servis en tant qu'Avodah Zara, devant lesquels on s'est prosterné, il faudrait les brûler. On parle même s'il a été planté pas en tant qu'Avodah Zara, malgré tout il faut le brûler. De ce fait, on a une question. Alors quoi ? Comment toi, Rabbi Yossi Aglili, tu vas interpréter le pasouk de Tachat Kol Etzranan ? C'est la question de Rabbi Akiva qui nous pose tout de suite. Regardez ça, on fait dans les mots. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit Ani Ovin ve Adun Lefanecha. Je vais interpréter et être mes palpels, discutailler et interpréter les psukim devant toi, Rabbi Yossi Aglili. Question sous-entendue, comme ce que le Barthélemy nous explique, tu as un problème, puisque finalement, tu vas pas déduire le Tachat Kol Etzranan. Comment dans ce cas-là tu vas interpréter ce Tachat Kol Etzranan sous tout arbre touffu? Alors, il va nous dire en fait non, la Torah est juste venue nous donner un super conseil. Sachez, vous les bénis Israël, vous allez entrer dans pas longtemps en Eretz Israël, vous allez vouloir exterminer toute la Avodah Zara qui traîne de partout. Eh bien, sachez que je vais vous donner des signes parfait pour déceler où les goïms aiment bien installer leur Avodah Zara. Kol makom shatamotze har gavoa ve'giv'a nisa'a ve'etzra'anan, tout endroit où tu vas trouver là-bas qu'il y aura un har gavoa, une montagne haute, ve'giv'a nisa'a, ou bien une colline
qui se distingue, et que là-bas tu verras des Etzra Anan, et qu'il aura aussi un arbre touffu, sache que là, va mettre ton nez dedans très rapidement, va fouiner, parce que c'est sûr que Da, Sheyesham, Avodazara, c'est sûr que si tu vas aller là-bas, tu vas trouver une Avodazara, donc dépêche-toi d'y aller pour la détruire. Mais, donc le Pasuk, en fait, qui a fait le jeu de mots Elohim, Aleharim, Elohim, Alagvaot, s'arrête là, mais ne met pas en facteur aussi le Elohim, Tachat Kol Etzra Anan. Parce que Behemet, si le goy se met à se prosterne devant le Etzra Anan, donc devant l'arbre touffu, il va falloir l'exterminer. Mais le pasuk, il est juste venu nous donner un signe distinctif pour bien apprendre, à bien chercher où se trouve la Avodah Zarah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.